Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu rendre hommage à Thelonious Monk ce soir. On est très heureux de vous présenter un trio inédit pour l'occasion avec Jean-Charles Richard au sax baryton et sax soprano. Et Mathias Lévy au violon. On a commencé par un morceau célèbre de Thelonious Monk qui s'appelle Mysterioso. Et on va continuer avec un morceau qui porte simplement le nom de Thelonious Monk qui s'appelle Thelonious. Thank you.
Thank you.
Thank you.
beaucoup. C'était un morceau souvent, pas très souvent joué, il s'appelle Locomotive. Et on a joué avant donc Fellow News et on va continuer avec un morceau en hommage à Panonica, qui, comme vous le savez, était la meilleure amie, la mécène, la sœur de Fellow News Monk, qui avait comme lui un prénom un peu hors norme, Panonica, en hommage d'un papillon qu'avait découvert son père en Pannonie, l'ancienne région de Roumanie. Voilà, Panonica. Thank you.
Merci beaucoup. Four in One, c'était le titre de cette composition de Thelonious Monk, qui n'est pas la plus facile, mais qui est la plus rigolote à jouer, en tout cas. Voilà, et en fait, tout a commencé durant le confinement, et on n'avait pas de concert, et je me suis dit que j'allais inventer un rendez-vous régulier dans mon studio, et comme je suis un fan absolu de Thelonious Monk, je me suis dit, tiens, je vais inviter les gens sur Thelonious Monk. Et j'ai d'abord invité Mathias, qui était le premier invité, et puis le deuxième, je crois que c'était Jean-Charles, ou le troisième, en tout cas. Je n'étais pas premier, moi. Je n'osais pas. Et il y a eu 18 invités, voilà, et c'était des duos, et puis le temps passait, et puis on s'est dit, tiens, on va faire peut-être un trio, et puis peut-être un groupe un peu plus grand. Enfin, en tout cas, c'est la première fois qu'on joue tous les trois ensemble. Et c'est un plaisir de le faire devant vous, et puis que les concerts reprennent. On a l'impression d'être dans un club, quoi. Un club de jazz, non, c'est ça? Et que de mieux que de jouer de la musique de Thelonious Monk dans un club de jazz, quand même. Un de mes disques préférés, c'est Monk au Five Spot. Et on entend vraiment l'ambiance de l'époque. Thank you.
j'annonce les deux morceaux suivants. Y a un disque très connu de Monk qui s'appelle Alone in San Francisco. On le voit sur un bus, vous savez, les fameux bus ou tramway peut-être, de San Francisco, ouais, tramway. Il a l'air très heureux en tout cas, et je pense qu'il était tellement heureux d'aller là-bas pour enregistrer que c'était un peu des vacances pour lui. Et je pense que c'est là qu'il a écrit le prochain morceau qui s'appelle San Francisco Holiday. Voilà. Mais bon, j'invente peut-être. Hein. J'aime bien inventer des histoires. Et on finira ce concert. On va finir avec un autre morceau qui s'appelle Bahia. Et je pense qu'il a écrit ce morceau au Brésil. Voilà. Mais encore, mais c'était pas vraiment. En tout cas, c'était un plaisir de... Oui. En tout cas, c'était un vrai plaisir de jouer ce répertoire ce soir avec vous, et puis à tout à l'heure. Thank you.
Merci beaucoup. Jean-Charles Richard au saxophone, saxoprano, s'il vous plaît. Mathias Lévy au violon. Stéphane Chapuis au piano.